Les gens, donc on se retrouve pour le 11e épisode et j'ai enfin compris ce que c'était cette chose. C'est pas un chemin. Si, c'est un chemin, mais c'est un peu tordu en fait, parce qu'en fait c'est un pont invisible. Voilà, c'est un pont invisible. Rien. J'ai rien à ajouter là-dessus, j'ai point invisible, voilà, c'est tout. Non, mais c'est sûr, quand on... Enfin, oui, c'est vrai que maintenant qu'on le dit, ça paraît tellement évident. Donc, voilà, et puis... Donc j'ai un peu regardé la solution sur Internet, pour savoir quoi faire, tout ça. Non. Ah, donc là, c'est bon, c'est sur une seule personne. D'où des esprits comme ça me fait aussi mal. Bref, on va soigner tout ça. Ça va bien vite. Allez, roule. Et après, on a un labyrinthe, en fait. Et en fait, bah, comment dire, les labyrinthes... Voilà. Point invisible. Yeah. Allez. Bah, du coup, plouf. Le secret du qui sera révélé aux disciples de la vérité. Arbre de force. Équipé donne force. Du coup, il y a une synergie. Force. Et je pense qu'on va en avoir besoin, genre pour sortir de la grotte. Ça a l'air chelou. Ça a l'air suspect. Ah, en fait, non, c'est juste qu'on sort là. D'accord, très bien. Jeune maître, avez-vous réussi le test? Oui. Quoi, vous avez maîtrisé le secret du temple Fushin? Maître Yun vous attend. Allez au temple. Allez, synergie gagnée. Excellent, Vlad. Je suis content de voir que vous avez maîtrisé les secrets du temple Fushin. Nous appelons qui le pouvoir que vous avez obtenu. Tu sembles dérouté, Vlad. Oui, un petit peu. On l'appelle force en Occident, mais c'est plus un pouvoir spirituel. Je vous apprendrai à, comme promis, utiliser ce pouvoir pour traverser la forêt. Qu'arriverait-il si vous libéreriez cette énergie dans la forêt? Haha, vous êtes curieux, hein? Oui! Les monstres qui attendent tapis dans l'ombre se montreront, vous essayerez alors de les vaincre, n'est-ce pas? De temps en temps, tu devrais mettre de côté ton idée de combattre, résoudre le problème. Les monstres sont lâches, ils fuiront quand ils sauront que tu les as vus. Ce sont des créatures des bois, elles ne peuvent se perdre jamais ici. D'accord. N'est-il pas généreux de se sacrifier pour essayer de sauver le monde? Si. Cependant, je n'ai vraiment pas envie de le voir partir. Mais moi je vais utiliser ma synergie en fait pour me soigner. Alors, s'il y a Sophia qu'il faut soigner. Et puis voilà. On récupère ça. Comme ça on est full. Et on peut continuer. Allez. Et comme quoi j'étais vraiment pas loin de la vérité. Enfin, pas loin de la vérité. Je savais pas ce qu'était ce foutu chemin, mais. Alors. Foutu forêt. Ok, très bien. Alors, comment vous dire que je sais pas du tout par où je vais aller. Ok. Alors, merde, truc qui grince. Alors, comment faire? Alors, on va y aller mollo. Pas le choix.
Tiens, il y a une noisette. Ça, à la limite, c'était pas trop compliqué. Droite ou haut. Comment on va faire? J'aime pas ça du tout. Sachez-le. J'aime pas les labyrinthes. Bon, allez, on tente. Ah! Merde. Je suis en train de prendre cher là. En train de capter. Mais Yvan et Garay, ils ont pris grave cher. Je fais pas gaffe là, mais en même temps, Yvan, il fait, il est quand même vachement. Vachement pas beaucoup de PV. Ah non. Ça manque Ekin. Ça m'enquiquine très fortement. Non, ça fait mal ça. Non! Mourez! S'il vous plaît, les messieurs, mourez! Ils font beaucoup trop mal, c'est un truc de fou! Hé hey, hé, salut toi. Ok. C'était sûr. Bon, au moins, même si je galère un peu, on n'aura pas tout perdu. En théorie. Allez, décède. S'il te plaît. Oui, il a décédé. Restauration. Je sais pas ce que ça fait. En attendant. Ça, c'est fait.
Maintenant, je sais pas où je dois aller, hein. Enfin, ça change pas le problème initial, c'est je suis perdu. Vas-y, question à la con. Qu'est-ce qui se passe si je fais force là-dessus? Sérieusement? Merci. Alors, toi tu vas tout en bas. Je sais pas pourquoi, mais tu vas tout en bas quand même. Je suppose que c'est le chemin à suivre. J'ai oublié ce blessé détail qui était Zéphyr. La restauration, ça fait du prix par un sommeil. Pas mal. Maintenant, crevez tous. Non. On se calme tout de suite. Un décédé et deux autres décèdent avec feu. Décédé avec feu. C'est bon, ça décède avec feu, c'est cool. Bien niveau 13, allez, c'est pas mal tout ça. Ah oui, alors, Zéphyr, donné. Merci. Ah. Wait, what? C'est quoi ce gain de PV d'un coup là? Enfin, je suis pas contre, mais c'est un peu impressionnant, quoi. Et du coup, la question est, est-ce que dans... Pas content, le chimpanzé. En langue de feu, ça se fait comment, en fait? Merde, j'ai balancé séisme mais pas ça. Oh, je fais des trucs étranges. Oh, langue de feu, ça fait bien mal en tout cas. Quartz ressuscite un allié. Oh, ça c'est cool par contre. Un chimpanzé là, elle est réglée. Grrr. Ah, le vert. Montre-moi le chemin. Le sud. Très bien. Je persiste à dire que je n'aime pas cette forêt. Et que j'aime pas ces mobs. Et là, le truc moyen, en fait, c'est que... Ah non, mais si, j'ai des trucs, là. Pour un 500 PV, je dois en avoir 130 à tout péter, c'est plutôt... Hein, comment ça j'utilise des objets trop forts pour moi? Mais non! Oh putain, ce qui peut faire mal... Oh non, coup critique. Qu'est-ce qui peut faire mal, les bâtards? Et de... Ah.
J'ai pas un autre truc en 200 PV, parfait. Comme ça, on se le garde pour lorsqu'on aura de gros gros ennuis. Voilà. Toi, comme ça, t'es soigné. Et toi, là-bas, tu meurs. Allez, meurs. Voilà. Ragnarok. Oh, ça, c'est cool. Ok, très bien. Ok, moins très bien, là. J'ai pas assez de énergie. Bon, là, ton raton... électrocution. Allez. Et au sage niveau 13, parfait. Eh ben, on va sortir de cette forêt au niveau 15, vous allez voir. Rrr. Allez, bestiole verte. Sud. Allez, sud. Ragnarok dans ta gueule. Hein, moi, violent. Non. Vu de l'esprit, ça. Hein, comment ça, Ragnarok est censé être la fin du monde? Mais regarde, c'est juste une grosse épée. Ça reste la sortie? Non. Ah. Merde. Alors, ceci est ce qu'on appelle communément un problème. Wow. Incapable de bouger, putain. J'aime pas cette musique. Non, elle est très bien cette musique, mais... Elle indique trop de problèmes. T'as que des herbes? Bon, ce sera toujours mieux que rien. Pas me laisser utiliser quartz, il est pas gentil. Vas-y, fais-toi plaisir, survivant si tu veux. Là, ça me dit aucun effet. On s'en fout, on va faire un Ramsès. Fièvre tap, souffle tap, marée tap. Et fureur, en fait, ça casse les couilles. Voilà. On peut lancer des soins sur... Semi-tour de soins. C'est bon, l'inondation n'a pas fait trop de dégâts. Bon ben voilà, affaire réglée. Oh oui! Joie! Joie d'être sorti de cette foutue forêt. Vite, 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 vite. Village, village, village. Auberge. Xian. Oh.
Et l'auberge, c'est ça? Ah oui, joie. Ah, labyrinthe de mes... Voilà. Bon. Tous soignés. Ouais, du coup, ça... En fait, ça me... En fait, ça baisse bien plus que ce que je pensais. Mais tant pis. Parce que je sais pas ce qu'on va devoir faire, donc si jamais j'ai besoin de mes invocations... Oh, je sens ici qu'on va encore gagner de la synergie, une synergie un peu chelou. Comment je peux te choper? Wait. Suffit d'attendre qu'elle soit là. Là, ici, là, ça fait un carré, c'est bon. Ici, ça fait un autre carré. Allez, va dans l'autre sens. Allez! Allez! Rrrr. Va-t'en. Allez, oust. Ah, je veux mon jean de Mercure. Allez, je veux pouvoir invoquer Neptune. Petit coup d'accéléré. Ok, pas besoin de beaucoup. On se fout là. Non! Ouh, c'était juste. J'espère pouvoir passer là. Ah, je vais pas pouvoir passer hein. Ah, je peux plus passer. Ah! Allez. Voilà, on a un petit peu accéléré, mais pas beaucoup. Voilà. Oui, bah je m'en fous. C'est pas très gentil pour toi, je sais, mais bon. Moi, j'en ai besoin de ce jean. Oh, j'ai cru qu'il allait attaquer ce con. Jean de Mercure obtenu. Et je pense que ça va être sur ce jean de Mercure qu'on va se laisser pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite de cette aventure et ne rien rater des activités de la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye les gens!